Que vous ayez acheté une nouvelle radio commande ou que vous ayez envie de mettre le dernier firmware à jour, nous pouvons voir ici que par exemple dans mon cas j'ai la 2.3.5. On va voir ensemble comment installer OpenTX et mettre à jour notre radio. Pour ce faire, rendez-vous sur opentx.org et nous allons télécharger la dernière version de OpenTX, dans ce cas-ci 2.3.7. Je suis sur Mac donc je vais télécharger macOS Disk Image. Et vous allez également télécharger le SD Card Content. Nous allons voir dans un instant. X7. Zip. Une fois que c'est installé, ouvrez OpenTX Companion. Alors pour connecter votre radio, je pense qu'il faut la passer en mode DFU. Pour ce faire, vous devez maintenir les deux boutons de trim vers l'intérieur et l'allumer en même temps. Vous avez cet écran qui s'affiche. Là, vous devez rien faire, vous devez juste connecter le câble USB. Ça s'affiche USB connected. Vous allez aller dans Préférences, nommer votre radio, dans mon cas QX7, choisir le type de radio, très important sinon le firmware ne va pas fonctionner. Dans mon cas, c'est la X7. Langue des menus. Je laisse anglais. Et là, vous allez cocher Lua pour les Lua Script et NoLI. Ça sert à désactiver certaines options pour les hélicoptères. Le reste, vous ne touchez pas. Ok. Ensuite, vous allez dans Fichier, Télécharger, Télécharger le firmware. Transfert. Transférer le firmware à la radio. Sélectionnez le firmware que vous voulez télécharger, il a pris pour vous 2.7. Transférer. Alors pour voir la version dans laquelle on est, je maintiens le bouton menu. Dans le dernier menu et on peut voir que je suis bien passé en 2.3.7. Félicitations, vous avez mis votre radio à jour. Maintenant, nous allons voir une dernière chose et c'est comment transférer le dossier de la carte SD. Vous avez vu qu'il m'a mis un petit message d'erreur. Donc, j'enlève la carte SD. Et alors, si vous avez une carte SD vierge, vous formatez votre carte SD en FAT32. Vous prenez le dossier zip que vous avez téléchargé. Vous allez aller glisser le contenu de ce zip dans votre carte SD. Alors dans mon cas, vu que je n'ai pas envie d'écraser ma carte SD, je vais juste remplacer le OpenTX SD Card Version. Remplacer. Imaginons que ça c'est votre carte SD vierge. Tout ce que vous avez à faire, c'est dézipper le zip. Et puis glisser cette arborescence sur votre carte SD, éjecter la carte SD, vous la remettez dans votre TORONIS. Et là, je n'ai plus le message d'erreur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à checker les autres vidéos, taper un petit like, taper un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.